suite. Salut YouTube, on est là pour un énième top 1, j'ai envie de dire. Oh là là, la spatule, c'est pour Bibi. Hein. Alors, la cue musicale. C'est maintenant. Ok. Easy spatule. Merci à tous pour ce top 1. OBS supérieur XP. Ça fait longtemps que j'ai switché sur OBS. Hein. Je regretterai toujours le fait qu'il n'y a pas la même fonctionnalité que sur XSplit, c'est-à-dire quand on manipule un élément sur une scène en laissant appuyer sur Shift sur XSplit, on peut faire n'importe quoi avec la perspective. Ce qui nous avait permis de faire la scène des coteaux, hein, souvenez-vous, RIP. Des regrets. La bonne époque. Le chat était propre à cette époque. Non, je déconne, il était dégueulasse. Alors, ok. Hop. Incroyable. Parfait. À la scène party art, c'était un grand moment, hein, mais XSplit l'avait mal vécu, hein. Ainsi dira Chan, Bobio 404, Serteras, Kepler Kesh. Toujours été dégueu le chat. Oh, je sais pas. Non, en vrai, quand je faisais du speedrun de FF6 en 2012, le chat était très propre. Mais c'est parce que il était moitié anglais, moitié français. Tout le monde communiait, l'amour du speedrun. Une autre époque. Ça, c'était avant les montagnes de cocaïne. Bon, j'ai eu zéro objet. Hein. Je vous remarquerai que j'ai eu aucun objet. Par contre, j'ai eu masse de pognon. Mais quand même, zéro objet sur les deux premières phases de PVE. J'ai envie de dire, je commence à douter. Alors c'est bien pour l'écho, mais je doute. Le doute m'habite, tout de même. Parce que bon, certes, les héros qui ont les légendes, les champions qu'on drop, vont aiguiller notre choix pour la formation de la la composition, mais aussi sur tous les objets. Et si j'en ai aucun, comment on fait? Oh là là, je peux faire un Blade Master. Et ben voilà. Le choix est fait. En vrai, je devrais presque prendre Renekton pour faire Sivir. Ça me fait chier de pas avoir drop de Yasuo. En offline, j'avais fait une compo de ouf où j'avais réussi à avoir Yasuo 2 early. Et je l'ai emmené, je l'ai stuffé au max, je l'ai eu level 3. Et on a ri. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Je vais me faire complètement exploser le cul alors que j'aurais pu mettre 3 light. Mais j'hésite à prendre Renekton. Ah, mais j'avais déjà une Diana. J'ai niqué ma paire de Diana. Super. J'hésite à prendre un Renekton tout simplement pour avoir désert plus tard. Vous savez, si je drop Sivir early, bon, c'est pas dingue, mais. Putain, on gagne. What happened? Quoique j'aurais pu vendre parce que j'aurais pas. J'étais déjà à 20 déco, ce qui est insane en vrai. Pourquoi je suis pas Maokai 2? Mais qu'est-ce que j'ai branlé de ma vie? What the fuck? Sinon, je vais mettre bois. Parce que light, j'en ai rien à foutre. Oh là là. Regardez, regardez. Regardez ce trigger incroyable. Putain, ça, je suis un génie. Hein. Un génie. Bois niveau 1. Vraiment, là, là, là. Regardez, regardez. L'absolue tristesse. On va jouer maître des lames. On va forcer maître des lames, car mes seuls objets, c'est spatule. Mais du coup, il va falloir décider si on joue autour de Sivir ou de Nocturne slash Kha'Zix. Pourquoi il a déjà une Sivir et un Azir? Full désert, donc. Ça ne suffira pas à battre mes bois niveau 1. Énorme.
Ouais. Est-ce que si on joue Sivir, on veut quoi? On veut Runan, Hush, Disarm ou un Red Buff? Et si on veut jouer autour de Nocturne ou Kha'Zix, on a l'objet qui est emblème de Master et derrière il faut IE. Donc gant plus épée et ouais bah genre un BT quoi. Épée cap. Viens Nasus. Je sais pas pourquoi j'écoute le chat. Oui c'est vrai qu'on sortait de light, mais c'est, je me dis, il y a encore un mot, il y a encore une possibilité où je retombe sur océan. Sinon il me faudra un arc quoi qu'il arrive. Non Négatron c'est important. C'est beaucoup de Négatron. Il y a une Sivir gant. Mais si Sivir on veut pas y mettre IE. Donc en vrai c'est un peu zéro. Ils ont pris les BT. Ils ont pris tout. Bah, je vais prendre la Sivir dégueulasse. Je vais prendre la Kindred. J'ai envie du Négatron. Le Négatron il est important pour Hush, Disarm, Runan, BT. Donc en vrai, le Négatron, je vais en avoir besoin. En tout cas, l'écho elle est là, c'est sûr. Deuxième fois que je vois Libère passer avec Horn. C'était incroyable la game Glacial Foudre Sea Warden qu'on avait fait. C'était pour l'écho, oui je sais. Que la revente des deux Nasus c'était pour l'écho. Bon full Predator en face, celle-ci on la perd et pas qu'un peu. À moins que les Nico fassent des miracles, mais j'en doute. Parce que dès qu'on tombe en dessous de 20%, il y a Kog'Maw et Rek'Sai qui nous découpe. Ah. Syndra 2 du coup. Et Nocturne. Chiant. Le problème c'est que j'ai trouvé aucun Yasuo. C'est une compo qui coûte très cher, tant pis pour l'écho. Hein. Mais j'ai pas envie d'hyper roll Vlad là. J'aurais pas dû la prendre. Parce que... De toute façon, on sait très bien que Blade Master c'est ce qui vaut le plus cher. Par contre, je suis sur une partie enfer et c'est pas idéal. Hein. Parce que normalement, pour partir sur Blade Master, l'idéal c'est d'être sur Cloud ou encore Montagne parce qu'on veut jouer Qiyana. Et oui, Hyper Holvald, Vladimir Cauchemar. Ainsi Zouille pour le siècle. Bon. D'accord. Peut-être Hyper Roll Vlad. Ah mais j'ai pas les objets pour, j'ai rien pour et j'ai une spatule Blade Master. Alors ensuite ça peut transformer en spatule l'arme pour. Et j'ai trouvé aucun autre océan, surtout les trèches, les machins et tout. Ça m'ennuie. Ensuite, il y a aussi la possibilité de ne pas hyper roll et juste de jouer un océan. Ouais, mais... La transition océan into... Putain. Je joue plus de gold. J'ai pas d'objet, mais j'ai des gold, hein. Putain, ça m'a saoulé. Guérir la sottise.
J'ai pas envie de jouer Océan, ça me casse les couilles. Enfin, pas, j'ai pas envie d'hyper-roll Vlad, c'est ça que je veux dire. What? Mais d'où ils sortent? Putain, JPP. Pourquoi ils mettent ça? Pourquoi ils veulent me forcer à jouer mage? Pourquoi il y a deux brands niveau 5 qui sortent? Ça me casse les couilles! Non mais sérieux! Ouf! Bon, on n'est pas très avancé, hein. Master Nocturne, oui, c'est l'idée normalement. Mais je vais attendre d'avoir mieux avant de faire la transition. Putain, Rek'Sai, il y en a beaucoup qui ont pris Rek'Sai, beaucoup qui sont partis sur Predator. J'ai besoin de Rek'Sai pour Nocturne, pour lui donner acier. Putain, nice, Imba. Ça me va. Non, j'ai trop besoin de Négatron pour faire un... pas envie de faire un Zephyr. Ok, donc j'aimerais quoi? Il faut quoi? Putain, mais Qiyana en fer, du coup, me sert à rien. C'est ça qui est un peu chiant. Il faut Kha'Zix, il me faut Sivir. Aatrox, je peux prendre Aatrox en attendant. Et j'ai pas mis Asio sur Attack Speed. Bon, pour moi. Bon, j'ai fait l'objet Blade Master, donc même si je peux avoir un Vladimir Cauchemar 3 par accident, faudrait que j'oublie. Y a pas d'épée. Ok. Grosse ambiance. Je vais reprendre un Négatron, je pense. Il y a Brand 2 avec l'arme en plus. Quoi que j'aurais dû prendre le gant pour IE. Non mais Négatron pour Sivir ça va être... C'est trois objets. Trois objets ont besoin de Négatron donc y a pas d'embrouille. Hein. Allez bon, Dosef. De toute façon il était pris. Hein. Je vais les vendre même je crois. Quoique tant que j'ai de la place. Tellement d'argent vu qu'ils m'en ont filé autant. Janna elle rentre à la fin de la compo. C'est un peu tôt pour la chercher mais bon. Donc je trouve Kha'Zix et Rek'Sai. Et ensuite on va virer les mages, tant pis. On va remettre Vladimir Cauchemar sur le marché. Ah mais lui il joue ça aussi, putain. Ah mais il va mourir en même temps. Sauf s'il fait le comeback de l'année. Et si j'ai réussi à le battre avec ma compo en carton. Pas de meilleur augure pour lui, hein. Et mettre des lames 3, je m'en fous. Ah oui, mais j'ai Sivir. Mais c'est trop faible, là. Ils sont tous niveau 1. C'est un peu moche.
Là je mets ça, je prends une branlée, regardez la branlée incroyable que je vais prendre. C'était trop tôt. Mais je vous montre quand même. Ça me fait plaisir de vous montrer la branlée que je vais prendre. Ah j'ai laissé Syndra. Énorme. La Syndra perdue. Ok, PVE. 62 HP, bon ça va en vrai. Ni. Bon, je suis full commit, hein, y a plus d'embrouille possible. Hein. Vous êtes prêts pour le trigger maximal ? ...91 gold, c'est un PB ça. Rek'Sai, putain. Idiot. Tellement habitué à pas... tellement pas habitué à jouer ça. Y'a aucun arc. Et aucune BT. Besoin d'une larme aussi. Y'a aucun objet qui me va là. Morello, ouais, Morello sur Aatrox, mais. Je peux mettre sur Qiyana aussi, en vrai. Ah, j'ai pas replacé mes gens. 0 attack speed, c'est mon cadeau à la commu. 3 berserker. Oh putain! Ce Jax. Stuffé comme Jaja. J'ai pas kiffé. Hein. Faut que je level up là? Non, ok. Faut que je roll encore. Ou bien je rentre Janna. Mais Janna, c'est pas aussi essentiel que buff là. La compo elle prend trop cher. Faut que je replace mes gens aussi. Nom de Dieu. J'hésite en vrai. C'est cool. Aatrox, on s'en fout en vrai. Qiyana, j'aurais pu. Enfin. Sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Jamais joué 3 déserts. Yes. Okay. On pourrait mettre Morello. C'est pas des objets dont j'ai besoin. Je vais mettre sur Aatrox parce qu'Aatrox il va virer normalement à un moment. J'aurais pu mettre sur Qiyana direct. So be it. J'ai pas un truc à vendre. Yas. J'aurais pu vendre Yas. C'est pas grave. Sivir, Janna. Tous ces Aatrox. Mais je croyais que j'en avais un en rab. Non, ok, donc c'est zéro. Ah, j'attends, je suis obligé d'attendre Rieu de toute façon. J'ai quasi que ça vende. C'est vrai que là. Vu que j'ai mis l'objet sur Nocturne, c'est plus Nocturne que je cherche 3 que Kha'Zix quoi. Si Sivir elle passe 2, ça va commencer à être moins dégueulasse, moins ridicule. Yonix Park, c'est ok, mais ouais, mais là j'ai tellement d'objets à faire que. Il est hors de question que je claque mon Négatron pour Yonix Park. Y a un maître Yi avec un gant. Mais je cherche surtout là, ça. Kha'Zix Arc est pas dégueu aussi. Pour Runan, c'est mort. Ok, bah tous les objets que je veux, c'est mort.
Les héros m'intéressent pas. Si Maître Yi. Faut que je cherche Maître Yi, mais il va être pris. Insta. Tout ce qui est là ne m'intéresse pas. Le disarm, je l'ai déjà. Je vais faire un deuxième Morello peut-être. Je vais prendre Négatron, vu que Négatron j'en ai besoin partout. Et au moins Twitch est le héros le plus cher. À 54. Après le PVE, on fera du gros roll dégueulasse. Quoique là, en vrai, Nocturne 3 est loin. Il me faudrait que ça aille 2. Sivir 2. Ensuite, j'aurai tout le monde 2. Donc, je pense qu'une fois que c'est trouvé, ou bien je level up direct, je peux mettre Janna là. Ça aurait été vraiment cool d'avoir Maître Yi, mais bon, c'est pas d'actualité. On pouvait pas dégueulasse, hein, mais c'est juste un crève-cœur de pas avoir IE sur Nocturne et le reste sur Sivir. Surtout, Nocturne. Ouais. Ah putain, en vrai, Lux Acier, c'est marrant. Hein. Janna over excès. Bah, les 2 secondes d'immunité pour. Enfin, ça aura plus de sens quand il aura lieu, mais. En vrai, c'est pas dégueu. J'aurais dû mettre le Morello sur. Sur Kiana. Mais quoi que ça marche comme ça. C'est juste, je m'étais dit à Atroc, je vais m'en débarrasser. Mais pour me débarrasser d'Atroc, il faut quand même que je trouve Maître Yi. Et idéalement 2. Donc c'est pas faire. Janna 3, 0 intérêt. On va déjà prendre l'XP. Arc BF, ouais. 2 épées, ça serait le must. Il faut pas rêver. Putain, encore un gant. Épée. Ionic Spark gratos. Ok. Certains disent Ginzo. Ginzo plus que IE sur ah cool. Sur Nocturne, vous êtes sûr de votre bail là? Prends cette merde, aucune idée. Oh mais j'ai pas d'arc. Le problème est réglé. Quoique j'aurais pu mettre BT. Non mais c'est ok. Ah ils m'ont découpé Je cherchais mon Atrox qui avait le Ionic Spark. Il a maîtrisé. Oh putain il a farm les Sivir comme Jaja. Attends il va passer Sivir 3 là en fait. C'est ça? Ouais. C'est celui, putain, mais ouais, mais il va pas mourir. Donc lui, il va jamais mourir, donc j'ai jamais récupéré ses héros. J'ai pas pris le Kha'Zix. Pas trop grave. Oh putain, Nocturne 3, par contre, we live the dream. Je veux bien lui laisser Sivir 3 si j'ai même mon Nocturne 3. J'ai envie de rentrer là, Janna. 22, je vais attendre le prochain fight. Qu'est-ce que je roll là? Des Nocturnes.
C'est tout en vrai. Bon, je cherche une épée au carrousel à tout prix. Ça vraiment bien de terminer le stuff de Nocturne. Le froid est impitoyable. Le problème c'est que je vais être bien placé, ce serait bien que ça marche. Putain, il a failli crever. Oh là là, mais cette vanne, il lui reste un HP alors qu'il a tous les héros dont j'ai besoin. Quelle cruauté. Ah oui, c'est vrai que c'est des objets complets au carrousel, ouais, putain. J'aurais pu rendre les Atrox et Hub, ouais, mais c'est pas grave. Ok, Inferno Mage. Ça sent aussi. Oh putain, j'aurais peut-être dû rentrer la Jana. Oh putain, mais le Nocturne, les amis. Allez, meurs! Eh non, évidemment qu'il gagne, putain! Oh, j'ai le seum! RFC, Solari, Hush! Hush! C'est Hush dont j'ai besoin. Mais il va le prendre, il a une civière. 3, ça se trouve maintenant. Si je prends pas Hush, j'ai besoin de quoi? Dragon Claw? Seraph, Maître Yi, Seraph, putain, aveugle. Ok. Et bah voilà, tout ce que je voulais, je l'ai pas. Assassin. Mais j'ai déjà assassin, idiot. Quoique. Bon. J'aurais dû prendre le. Il y avait un Nocturne ? C'est pas grave. Qui peut être assassin du coup ? C'est pas clair. Putain, j'ai le seum. Deuxième maître I qui passe sous le nez. Je suis pas en urgence de hard roll hein, de toute façon, mais c'est chiant quand même. Et j'aurai un objet tout fait aussi. C'est une vraie info, gantelet précieux sur Qiyana. Exai assassin, pourquoi pas, vu qu'il a... Aïe aïe aïe. Il y a des berserkers. Berserker pose problème, visiblement. Jeanne assassin. Mais quel... Pour qu'elle étourdisse les ennemis dans la backlane, mais comment elle nous soigne si elle meurt instantanément? Merde, putain, mais... Idiot, je peux pas vu qu'il est sur la case. Ok, il est mort. Let's go. Oh là là, le Brome 1 creva. Ah oui, bah Brome 3. Putain, heureusement qu'il a pas fait Hornmail, hein, sinon il gagne. Hein. Maître Yi Assassin, c'est cool, ouais. Ah, mais sacrifier Qiyana carrément? Vous pensez que c'est un vrai bail?
Ah, j'ai revendu ma Atrox. Ok, cool, Yasuo 3. Nice. J'ai revendu les Kha'Zix aussi. Bon, là, de toute façon, ma priorité, c'est Nocturne, en vrai. Ensuite, on verra pour le LOL. Ah, mais putain, j'avais pas vu l'objet pourri qui me file, quoi. Warden. Est-ce que je pouvais avoir plus nul et plus inutile que cet objet-là? Incroyable, quand même. Je peux level up, en vrai. Hein. Il me donne des Qiyana, j'ose pas les prendre, mais... C'est pas ça qui m'intéresse. Ça donne quelque chose, ça donne juste 25 d'armure. Vire Atrox. Ah oui, c'est Atrox qui doit virer. Mais du coup, je peux mettre Morello sur Qiyana, c'est ça? Putain, il va me laver, sérieux? Ah, il pose problème, hein. Une Berserker Predator. Ce qui serait génial, c'est que l'autre le tue. Cristal, dommage. Te relève de ses morts. Que je l'en... Ouais. Et j'ai parole, hein. Vous me détestez? Ah, je peux level up. Bah, je vais level up next. Ah oui, mais je level up next alors que j'aurais pu mettre mon Atrox et je l'ai viré. Je me déteste. Putain, j'avais juste un rôle à faire pour trouver Nocturne. Est-ce que ma vie est dégueulasse? Allez, lui je le lave. Lui je le lave. Putain, c'est un peu con de... J'ai presque envie de reprendre les Atrox maintenant. La grande question c'est est-ce que je roll 9 ou est-ce que j'essaye de... d'arnaquer des niveaux 3? Non, c'est une mauvaise idée, non? Je rentre tout? Il me faut un shadow. Ou un défenseur maintenant que j'ai défense. Ok, prochain fight, je roll 9. Ah mais si je meurs pas. J'affronte un ghost, mais le ghost du mec qui m'a lavé. Je sais pas pourquoi je laisse Yi en front lane vu qu'il a assassin. Mais lui c'est un vrai problème. Hein. Faudra vraiment que l'autre le lave, ça serait incroyable. Ah non, il se balade. Hein. C'est un no match. Ok, top 2. Un Zephyr serait pas mal, hein. On va essayer de snipe le Olaf. Ça n'a rien de personnel. Zed, Luden, Berserker. Je sais même pas si j'ai assez de d'actualité. Pas du tout ce que je veux. Cœur gelé. Faut du stop heal. J'ai rien pris. Ils m'ont donné un truc quand même. Et bah j'ai Berserker qui me sert à rien. Putain, on avait si peu de temps que ça. J'espère que vous me détestez parce que moi je me déteste. Ok. Predator Berserker, on avait dit Shadow. Qui est Shadow? In the Shadows. Ah mais c'est juste les champions des ombres. C'est nul. La vie est nulle. Ah oui, forcément, frontline, elle aura pas eu le temps de faire grand chose. Hein. Ah oui, j'ai pas. Fallait tous que je mette tous les assassins sur le Olaf. Je suis désolé, mais je vais gagner peut-être. Non, bah le Olaf va no match. Mais on est pas mort. Peut-être là. Ah bah non, j'ai 12 points de vie, si on est mort. Oh la Qiyana. La Qiyana, elle m'a fait rêver. Hein. Peut-être prendre le Z. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le Z. J'aurais dû prendre le Z, plus que cette luxe en fer où on s'en fout. Et le problème c'est que son Olaf il est Berserker donc il jump. Parce que Nocturne il est censé aller près du Olaf mais...
Un peu zéro quoi. Abandonnez maintenant. Vega et Ombre, mais je sais pas si c'est mieux. Hein. J'ai un I Ombre qui va se faire one shot. C'est énorme. Ah mais du coup Kha'Zix... Oh oui, oui, oui. Oh le Olaf est down. Le Olaf est down, c'est fini. C'est fini. Ah bah sans le Olaf, on fait moins le malin. Ok. Incroyable. Bravo. En effet, il fallait focus le Olaf. Bravo à vous. J'ai presque pris du plaisir. Merci Charcoloud, Priyab Draper, Xavier, Curry Was Taken, Soichiro, Laurent Stark qui fête son siècle, Eddie Blanquette, Arusuke, Kaguyala Sama qui fête ses deux siècles, Balou de Valais, Cro 29200, Agasushi, en ce soir des bisous, Alianas, Tsurtz. Putain, vous êtes tellement, c'est fou. Merci à Third MP, Third EMP. Pour le siècle, le tireur fou Silmia. Promotion argent 2. Incroyable, incroyable. Que de plaisir. Belle compo, hein, c'est vraiment fort les Blind Master, mais bon, faut oser. Et mine de rien, on était sur Enfer, alors que ça aurait été plus efficace, sûrement, avec Cloud. Enfin, avec Cloud, c'est sûr, Montane peut-être. Nice. Bisous YouTube.